Lorsque j'ai eu la chance que les éditions Zulma me proposent de rééditer ce livre qui était paru en 1989, je l'ai relu pour la première fois depuis de très nombreuses années, presque 30 ans. Et comme ça me le fait à chaque fois, j'ai vu quantité d'imperfections dues à la jeunesse, dues au fait que j'ai changé, que ce n'était pas le même qui a écrit ce livre il y a 30 ans que celui que je suis aujourd'hui. Et donc c'est un travail que je fais de toute façon systématiquement quand je réédite ce qui a déjà paru, c'est que je le reprends à mon compte avec avec la maturité qui est la mienne, avec ma compétence d'aujourd'hui. Et j'ai aucune honte à me corriger. Yourcenar disait, c'est moi que je corrige quand je corrige mes livres. Je prends vraiment ça au sérieux. C'est vraiment son travail, son propre travail que l'on corrige et soi-même que l'on corrige dans son évolution. Pour ce livre précis, en plus des resserrements de boulons, des éliminations de coquetterie, comme je le disais, de jeunesse ou de choses comme ça, ce livre avait un problème de structure dans le tissage et m'avait jamais vraiment complètement satisfait. Et sachant cela, il y a un moment où je me suis servi d'une trentaine de pages de ce livre pour l'intégrer à d'autres romans qui ont paru depuis. Donc il y avait de toute façon des trous dans le rituel des dunes. Et plutôt que d'essayer de combler ces trous, j'ai décidé vraiment de remanier l'ensemble. Et au lieu d'enlever uniquement une trentaine de pages, j'en ai enlevé plus d'une centaine. J'ai enlevé un tiers du livre. Et j'ai reconstruit un nouveau roman avec les mêmes personnages, avec le même décor, avec bien sûr pas mal d'histoires ou de passages qui sont conservés parce que il y a des choses dont j'étais fier aussi dans ce livre. Mais dans mon esprit, c'est vraiment un livre absolument nouveau, plus que simplement remanié. C'est un livre dont je suis fier, pourquoi ne pas le dire, comme si je l'avais écrit aujourd'hui. Le cœur du livre, c'est vraiment, bien sûr, ça a trait à ce que vous venez de mentionner, et puis Scheherazade est réellement mentionné dans le livre, donc l'allusion aux mille et une nuits est évidente. Et c'est vrai aussi que ce tissage, il est récurrent dans mon travail. Moi, j'adore ces entremêlements d'histoires, de contes, tout ce contrepoint musical à l'intérieur du roman. Mais le cœur du livre, c'est vraiment le rituel d'approche de l'autre. Et je dirais plus le rituel d'approche de l'inquiétante étrangeté de l'autre, pour faire un petit signe à Tonton Freud. Et c'est ce thème-là, je pense, que j'ai décliné dans ce livre, où on a une série de confrontations par rapport à cette étrangeté du pays. Ça se passe dans la Chine des années 80, juste post-Mao, début de Deng Xiaoping. C'est une Chine encore très très dure, où la délation règne, où les étrangers qui s'y trouvent en poste sont confinés dans un petit milieu où tout se sait. Donc, première confrontation par rapport à cette étrangeté et géographique et de culture. Et ensuite, une série de personnages qui sont aussi très extraordinaire, très difficile d'approche, des Américains. C'est un Français qui est dans ce petit milieu d'expatriés, d'experts,
qui existe toujours en Chine et ailleurs, mais là c'était encore plus confiné puisque les étrangers n'avaient pas le droit de parler même avec les Chinois dans la rue ou des choses comme ça. Donc ils vivaient en vase clos. Et il y a différents personnages auxquels le narrateur est confronté et justement par rapport à leur étrangeté. Et le personnage majeur, le plus étrange, c'est le personnage de Beverly, avec qui le narrateur noue une relation sentimentale. Et ça va être le moteur vraiment de son propre questionnement sur la réalité de l'autre. Est-ce que Beverly est vraiment folle? Est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle est? Est-ce qu'elle a vraiment fait ce qu'elle dit qu'elle a fait, etc. D'autant que cette femme est une femme très extraordinaire qui a des théories sur tout et une théorie magnifique que je trouve magnifique, même si c'est moi qui l'ai inventé, on me pardonnera ça, mais une théorie axiomatique des biographies et qui affirme que non seulement lorsqu'on écrit une biographie ou lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut lire 300 pages sur cette personne, on ne la connaîtra pas. En revanche, si on sait un ou deux faits axiomatiques sur cette personne qui permettent de prédire ce qu'elle va faire dans telle ou telle situation, à ce moment-là, on peut dire qu'on la connaît. Et c'est ça le rituel, c'est ce nœud entre virtualité, réalité, entre fiction, réalité, entre rapport à l'autre authentique ou simplement caricatural, caricaturé par les a priori que nous pouvons tous avoir par rapport à ce qui nous dérange.